Bienvenue tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Let's Play sur Arcane le Noir sur Total War Warhammer 2. On a été resté la fois passée sur ça, hein, sur le combat qu'il y a ici, vous avez ici devant les yeux. Donc un affrontement entre le roi Sharkar, Arcane le Noir et le roi Itobom et Sphyr du Royaume des Dunes. Donc je pense que ça va pas être bien compliqué, hein. Arcane est tout seul pourrait, je crois, un petit peu meuler là-dedans, sans compter le soutien de son prêtre Lich. Donc voilà. Donc on va faire le combat. On va rassembler tout ce beau monde et on va défoncer les têtes des gens en face. Donc on commence cette vidéo en force avec une bonne baston. Oui, on parie avec 9 points, faut pas déconner non plus. Mes renforts arrivent complètement là-bas. Bon, lui je vois pas où il est, mais il est sûrement en face, donc on va simplement rassembler mes gars. Toi Rasharka, de toute façon tu vas te retrouver avec truc avec alors ça va être ma première ligne de défense tampon comme d'hab. Mes archers. Comme d'hab, je suis derrière. Mes lanciers, on va les mettre là du coup. On va les mettre en 3. De toute façon, on va attendre que les autres arrivent. Faut vraiment faire des trucs. Non, imbécile. Mes chers squelettes 8 ici pareil, tout ça en 8 on va dire, tout mobile. Voilà. Et vous deux là, bah on les fout sur le flanc là, parce qu'on va aller quand même aller s'amuser. Donc on va attendre mes renforts. Hein. C'est pas faire grand chose de plus que les attendre. Ah, tu veux déjà directement venir ici. Toi, tu peux venir là. Tout de suite aussi. Et tu peux prendre tes copains avec toi. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a tout là-dedans ? Ça, on peut regrouper en 4. J'ai encore des archers qui traînent, beaucoup d'archers, même un peu trop. Les deux troupes, ça fait beaucoup comme ça. On va tout rassembler, on va tout regrouper, on va tout réorganiser. 6, non, ça c'est du corps à corps, tout ça. Ça va être 5. C'est où là? Qu'est-ce qu'on a encore? Ici, il y a encore des trucs. Ils sont mes archers. Là. Allez avec eux. Putain, j'en ai de la troupe, la cavalerie d'archerie. Un gros paquet d'ailleurs. Hop. C'est où là-dedans? 3. Ici. Allez-y avec eux. C'est où sur le flanc, tranquillement. Est-ce que j'ai encore? Voyons un peu. Toi, je vais te mettre ici. Là. Toi, tu peux rejoindre les gros balèzes. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Cavalerie, le nez et cara. Faut rejoindre là. Un gros paquet de cavaliers. Je pense qu'on est à peu près bon, il n'y a plus que les piafs que je vais mettre peinard par ici. Et on va attendre que ce beau monde arrive et tout soit réorganisé.
Donc on va essayer de se rassembler tant qu'on est là. Un peu comme il faut. Vous vous mettez là. Vous vous mettez... Non, merde. Mettez-vous là. Voilà. Eux juste derrière. Et eux encore plus derrière. Voilà. Ça, ça va être la base de ma formation. Ensuite, j'ai mes chars. On pourra aller se balader par là. Mes lanciers peuvent aller se taper ici. Qu'est-ce que j'ai encore? Mes cavaleries peuvent aller se mettre par là. Tout mon flanc d'archerie peut aller se mettre par ici. Donc on va rester au fait dans la forêt, c'est plus simple. C'est pas la tête les gars. Vous êtes déjà dedans. Il faut... Là, toi, ici, et toi, clairement là, voilà. Voilà, le temps que ça se rassemble, tout ce beau monde, on va se repositionner comme il faut, proprement. Il y a du monde en face aussi, hein. Eh ben. Il y a un truc qui manque, ouais. Voilà, on va le mettre en scène du coup. Bon. Mes chars. On va laisser un peu s'approcher en ce qui est en face. Donc eux ils peuvent aller faire du gros gros ravage par là, donc hop, allez vous faire plaisir, il y a du monde. Bon, c'est là, peinard. Alors par contre ici, il faudra gérer un petit peu tout ça. Là j'ai du monde. Et ok. Pourrait se choper ça, mais il y a ça derrière qui risque de me faire mal, et ça aussi. Faut choper ça? Ou pas? Ça par contre, je verrouille. Si vous pouvez, faites-vous plaisir. Pendant ce temps-là, vous, essayez de vous faire ça. Voilà. On va voir pour la suite. T'es où, toi? T'es déjà là, c'est bien. On va attendre un peu. Bon, on va être engagé, on va avancer avec tout. Voilà. Toi, tu suis le mouvement. Ouais, c'était pas un très bon plan, j'ai l'impression ici. Désengagé les gars. Je peux choper ça. Éventuellement, sait-on jamais. Un malentendu. On va pas cracher dessus. Non, partez, partez, partez les gars, partez.
C'est les autres que je voulais. Je vais vous faire ça. On ne crachera pas dessus non plus. Bon, petite pause pour voir un peu tout ce beau monde là. Mon ami Petwit. Il est où? Il est là. Alors, tu vas pouvoir me lancer directement un gros vortex de la mort dans ce gros tas de blob là. Genre là. Voilà. Et Arcane, tu peux directement enchaîner aussi sur un. Ah non, j'aurais pas assez. On va attendre un chouïa pour balancer le vortex. Boum. Ah, le front il est quand même vachement large. Hein. Ça va être chaud à gérer tout ça. Cavalerie elle est quand même mal. Pas hyper à l'aise. C'est de passer derrière. Les chars pendant ce temps ils font quoi là? Balade. Ok, super. Ça sert à rien, ils vont chasser. Donc on fait là-dedans. Donc tant là, vous. Je sais pas si vous serez faire quelque chose contre ça. Je pense pas. C'est plutôt ce qui est archerie, donc allez, vous chopez plutôt ça là là. Oh, essayez toujours. On verra bien. Toi c'est fait. Oh, pour Arcane qui te contacte, oui. Donc tu peux lancer tes brawls. Non. Alors, une grosse mêlée de la mort. Du coup, il est où Arken? Il est dans le tas là, ok. Il est sur le flanc. Bon, un petit soleil là-dedans alors. Faut pas que j'ai assez pour le durer en deux, non. Pas grave, ça suffira le premier. Alors là, c'est parfait. Trop près? Trop près. Du coup, si c'est trop près, fais-moi le bloc là-dedans là. Voilà. Trois, deux, un, coach. Alors, toi là-bas, on sent. Truc de commandement, on s'en fout un peu. T'en sors très très bien. Oh, va aider Petwit. Surtout pas qu'il se fasse avoir lui. Oh, va te mettre derrière toi. Et vite. Mes archers, faites quelque chose devant vous là. Il y a du monde devant vous. Éliminez-moi ça. Off. Il m'a envoyé des sous-pâtis dans le dos, c'est pas grave. Fais-toi ça. Ouch, à petit. Je vais y arriver, hein, genre. Bon, mon flanc, il se fait ravager, là. On le trouvait bien comme il faut, quoi. Oh là là, mes cavaliers, là, ils se font bien ravager. En même temps, j'ai pas fait grand-chose contre des trucs pareils. Revenez. Vous savez. Ah, quoique ça fait séparer l'armée en deux. C'est pas mal de les faire courir un peu. Par contre, pendant ce temps, eux, ils sont en train de s'amuser dans la forêt. Éliminez-moi ça.
Oh, ça marche plutôt bien en fait. À première vue. Alors, fais-moi un petit régène de toute façon. Ah, les chars, par contre, ça c'est pas bon. Hop, je vais les aider là. Allez là-bas, aider et vite. Mes chars, pouvez-vous dégager ou pas? Les pierres ils gèrent très bien les chars, c'est très bien ça. On va aller enfoncer tranquillement dans le dos de tout le monde. Tout là-dedans les gars. Ça là-bas, on va mettre ici, juste là. On va choper direct les archers. Courez les gars, courez! Alors toi, attends un petit peu pour lancer le niveau, hop, 15, et on va le lancer ici dedans je pense. Donc redirige-toi par là. Oh, si tu sais bien aider, coup de main là. Parce qu'il m'embête un peu lui. Tiens, Arcane, tu peux venir l'aider? Peut-être? Si tu sais. Un truc là. Tire-moi là-dedans plutôt. Voilà. Ici, tu peux lancer une patate. Non, c'est ta patatou. 16 pour le niveau. Ah, c'est 16, parfait. C'est ce qu'il faut. Là-dedans. Ah, lance là-dedans. Allez, pourquoi tu... Oh, allez. Voilà. La portée est assez longue, c'est parfait. Seigneur ennemi est blessé, ça c'est très bien. Petite pause pour voir où en sont mes gars dans la forêt, là, parce que je les vois pas beaucoup. Toujours dans la forêt d'ailleurs. Je vais les aider ici. Je sais pas ce qu'ils foutent là-bas dans la forêt, mais ils servent pas grand chose. Les cavaliers par contre ils se font bien défoncer. Fais-moi ça. Ils se sont fait défoncer au fait, ceux qui restent c'est ceux qui sont réussis à passer par derrière. Mes piafs, ils font leur boulot, c'est bien. Eux, ils ont bien réussi leur taf. Je sais pas si vous allez pouvoir faire ça, mais je vais pas risquer parce que j'ai pas envie de les perdre. Toi, t'as fait ton taf. Toi là-bas, je peux régénérer un coup. On s'est occupé du général, ok. On peut aller par là. Il y a plus rien, donc là, de toute façon, on essaye d'entrer complètement les enfoncer là. Ils vont tomber comme neige au soleil maintenant. Voilà. Un coup de main là-dedans. Ah bah tiens. Va t'occuper d'Itobom, Marken. Fais comprendre c'est qui le vrai seigneur des morts vivants. C'est pas ces saletés de Khemri, mais Nagash.
Bon. T'es où, toi? Écharpe. Vous arrivez à choper ça, vous? Je paierai ça. Quand même là, tout seul, autant en profiter. J'aimerais que vous arrivez à le choper, vous, mais... Sait-on jamais, hein, sans malentendu. Utile alors pour aller choper ça. Toi, tu peux peut-être faire quelque chose aussi, non? Tous les gens là dans la forêt, là, il serait peut-être bien de sortir un peu, les gars. De tout occuper avec un pauvre lancier là, quand on perd du temps pour rien. Je paie ça. Voilà, je crois que là, on est bon. Petit coup de tuc-tac-son. Voilà. Eux là-bas, ils s'amusent. Vous engagez-vous. Toi, voilà, dedans. Et comme je mets à choper ça. Vous avez vu, c'est parfait. Ça, c'est mort, voilà, mais je crois qu'on est bon là. Ah bah voilà, j'ai blessé les deux seigneurs, c'est pour ça. Ils ont tous les deux tombé, voilà. Bon, j'ai eu des pertes, mais rien de significatif. Dommage que je sais pas voir les stats des renforts, parce que j'aurais curieux de voir les stats de Petwit et d'Arcane sur celle-là. Je pense que ça ils ont fait du ravage. Ah, en face, il y avait 4500 morts. De mon côté, il y en a 1000, donc ça va. Enfin, si on peut dire que morts sont déjà des gars qui sont morts déjà à la base. Eh ben, ça va être une bataille qui va nous occuper tout l'épisode, je pense, parce qu'on va en rester là pour aujourd'hui, à mon humble avis. Ah, il prend un niveau à chaque classe, c'est bien. Donc voilà, 4500 contre 1200, hein, c'est ce que j'avais dit au niveau des morts. On va prendre la régène ce coup-ci. Plus c'était le tour de l'adversaire, toujours. J'ai absolument pas joué dans cet épisode. Hey oh, tu m'agaces là. Voilà, disparaît. On va prendre les sous. On va mettre point de compétence tout de même. Voilà. Hop. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre comme point de compétence à H. Je vais pas lui donner Ah c'est Arcane, pardon. C'est Arcane qui prend le niveau là. C'est bien. C'était bizarre. Je vais peut-être pousser ça. Je ne sais pas, tiens. Qu'est-ce que je pourrais bien lui donner? J'hésite avec ça.
J'utilise ça souvent, j'utilise toujours le soleil vert, donc en soi c'est peut-être pas hyper utile. Par contre un drap de magie peut être pratique. Ouais, je vais prendre le drap de magie. Voilà. Encore des points de compétence à donner pour HRK, c'est ce que j'avais dit. Je ne lui donne pas le coursier. Je vais continuer à le booster au niveau des buffs. Remplace, essayer, ça fait quoi ça, régénère le PV des combattants? Bah ouais, hop. Et mets-tu au combat. Seigneur non déplacé. Amélioration de colonie disponible. Qu'est-ce que je peux faire? Ah bah lâcher que je peux le booster. On va le faire. Voilà. J'ai encore des bâtiments endommagés. Oui. Du coup, j'ai pas assez pour les réparer par contre. Du coup, on va devoir revenir ici. De toute façon, j'aurais pas réparé avec lui qui était juste à côté. Ça aurait été un mauvais plan. Je vais voir si je peux recruter éventuellement, parce que je vois que j'ai pas perdu grand chose en fait. J'ai même quasiment rien perdu. Moi, pas avec Arcane. C'est le moment d'en profiter. Prendre un comme ça. Enfin. J'ai pas mal de trucs spéciaux lui, hein. Donc on va peut-être se contenter de guerrier. Pour lui. Par contre, lui peut peut-être éventuellement prendre d'autres trucs. Bah. En même temps, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc cavalier, pas cavalier. On va faire comme ça, voilà. Pour toi c'est bon, et du coup je vais juste voir encore avec lui si je peux encore faire des choses. Lui, bah, il régène. On va le laisser régénérer tranquillement. Encore un petit peu de temps pour avoir les dépôts de crâne, pour avoir les catapultes. Et du coup, on va rester là pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous, ben, encore une fois après demain. Et à la prochaine. Ciao!